Bonjour tout le monde. On se retrouve ici pour un tirage message pour toi. Et ce sera pour qui? Ce sera pour les Verseaux. Bienvenue les Verseaux. Trois thématiques dans ce tirage. Le taf. OK, on va parler du travail, que ce soit pour les employés ou pour les auto-entrepreneurs. On va parler de pognon. Oui, on va parler de pognon. Et nous allons parler aussi de love-love, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Je prendrai également une carte pour la guidance, l'énergie du moment, la dynamique, une carte lumière qui vous délivrera un message. J'espère qu'il pourra vous éclairer sur une situation. Allez, on est ici avec l'oracle homme, comme vous avez pu le remarquer. Et tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour les Verseaux. On y va. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Allez, ici, nous démarrons au niveau professionnel avec la carte de Devi. Donc, déesse mère, ok? Déesse mère aux mille visages. Ici, on nous annonce de la prospérité. Peut-être un début travail, un début. On va essayer de parler français. Le début d'un travail, ok? Avec Shanka. Allez, on va développer. Si vous n'avez pas de travail, vous pourriez très bien en trouver un. D'accord? Si vous êtes déjà en train de travailler, que vous soyez salarié ou auto-entrepreneur, ici on va nous parler de vérité, de se montrer tel qu'on est, de détenir des informations importantes, de pouvoir se montrer tel qu'on est lors d'un entretien, par exemple, pour ceux qui cherchent un boulot, d'avoir des relations de confiance avec ses partenaires, hein, ses collègues de boulot, avec son employeur. On va nous parler aussi d'apprendre des choses. Alors, d'apprendre des choses sur ce qui se passe pour votre entreprise. Peut-être qu'il y a des remaniements, des choses qui bougent au niveau de votre boîte. Et là, on va vous en parler, OK? Il y a peut-être des postes à pourvoir. Il y a peut-être ici le fait de pouvoir évoluer au sein de votre entreprise. On nous parle ici vraiment de discussion, hein? Donc d'entretien, de promotion, de pouvoir exprimer ses désirs au sein de l'entreprise pour pouvoir évoluer. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Et pour les auto-entrepreneurs, je pense ici qu'il y a une notion pour vous de transparence, de ne plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, de proposer aussi de la nouveauté, de vous dévoiler sous un autre jour. OK? Vous avez une entreprise et vous allez changer des choses. Moi, je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà en train de fomenter des plans et qui vont enfin pouvoir briller et réussir grâce à ces nouveaux plans. D'accord? C'est très fécond, c'est sur le plan d'arrivée, sur le point d'arrivée, pardonnez-moi. Peut-être des personnes qui ouvrent une entreprise également, hein, là, très très bientôt. Le financier, Brahma, la création, nouveau projet sur le plan financier. Ici, il y a de belles opportunités. On va voir si ça continue. OK. On va agir avec sagesse. D'accord? Alors, avec Purvaja, on agit avec sagesse. On est en train d'étudier des projets sur le plan financier. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Où je la mets? Comment je l'utilise? Comment je fais pour en mettre de côté? Comment je fais pour faire des plans sur le long terme? J'ai un nouveau projet sur le plan financier et je veux absolument qu'il réussisse, qu'il fonctionne. Et il réussira, il fonctionnera parce que vous allez agir dans le calme. Pardonnez-moi. Oui, il faut que je respire entre deux phrases. Voilà ce qui m'arrive quand je ne le fais pas.
Ici, il y a peut-être des nouvelles sources de revenus qui arrivent pour vous, d'accord? Grâce à une offre d'emploi. On a vu qu'il y avait quelque chose de fécond ici. On nous annonce aussi une période de chance, peut-être du gain au jeu, hein. Alors, je ne vous pousse pas à aller jouer, bien entendu, prudence, mais c'est peut-être le moment de faire un petit jeu. Ça coûte rien en restant raisonnable, hein, en jouant avec sagesse. Hein. J'ai une cliente qui est fana, fana, fana de jeu et qui me demande lors de tirage si elle va avoir le jackpot. Je l'ai eu cette semaine en consultation. Alors, je peux vous dire qu'avec elle, les consultations, c'est des barres de rire. C'est quelqu'un de très, très original. Elle est fabuleuse, cette femme. Et alors, bon, on rit ensemble, quoi. Bon, bref, je referme la parenthèse. Elle adore jouer et parfois, elle gagne. Bon, ici, très, très belle énergie au niveau financier. La Love Love, la carte de l'amour avec Krishna, les amis. Les couples, on est à fond dans la love love, on va voir si ça va durer avec la deuxième carte. Les célibataires, ici, il y a une rencontre amoureuse. Waouh, un homme. Un homme. Bon, écoutez, c'est le moment de se préparer, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il y a un homme qui pourrait rencontrer quelqu'un. C'est la carte de l'homme, cette carte de Lingam. Donc, ici, on nous parle de quelqu'un qui a des ambitions, qui veut vraiment s'investir au niveau love love, une rencontre forte, puissante. Attention pour certains ou certaines au triangulaire ici. Alors, je dis pas que vous allez tous rencontrer quelqu'un et vous retrouver en triangulaire. Donc, je vais d'abord parler des couples, après je vais parler des célibataires et après je vais inclure la triangulaire pour ceux qui y sont ou qui pourraient y être. Bientôt. Ici, on se sent aimé, on se sent protégé par un homme. On est aussi, pour vous les hommes, dans une énergie très puissante, très masculine. On prend le pouvoir. On est vraiment dans son masculin sacré, si vous voyez ce que je veux dire. Un pouvoir d'attraction phénoménal. Au niveau horizontal, vertical, diagonal, ça va fonctionner du feu de Dieu pour ceux qui sont en couple ces jours-ci. Pour les célibataires, alors une rencontre avec un homme, avec un animal, j'ai envie de dire, un homme animal. OK? Donc il y a quelque chose de très félin, hein, de très... Comment je pourrais vous dire, hein? Pour vous les mecs ou pour vous les filles, hein, qui allez rencontrer cet homme ou vous les hommes qui allez rencontrer cet homme, quelque chose d'irrésistible, ok? Irrésistible. Je ne peux pas m'en passer, quoi. Je te veux, tu me veux, on se veut, hein? Je suis assez claire, non? Maintenant, attention, mise en garde pour ceux qui pourraient rencontrer quelqu'un, renseignez-vous bien sur cette personne. Avancez au pas de loup, ne vous laissez pas avoir par ce pouvoir d'attraction, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui pourraient rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple. Si vous êtes déjà en triangulaire, prenez vos responsabilités. Hein. Prenez vos responsabilités. Il y en a qui le vivent très bien. Il y en a malheureusement qui sont dans des triangulaires et dans des relations de souffrance depuis des années. Mais ici, on est fou amoureux. On est fou amoureux. C'est un peu addictif. Mais voilà, faites attention. La triangulaire, c'est quelque chose qu'on peut vivre quand on a une vie sur le plan social, professionnel, financier, amicale, familiale, une vie qui est au top du top et la relation triangulaire vient juste complémenter cette vie qui est vraiment épanouissante pour vous sur tous les autres plans. Si vous avez une vie de merde, je ne vous conseille absolument pas de vous mettre dans une triangulaire en espérant qu'un jour cette personne va quitter
la personne titulaire dans son cœur ou dans sa vie, parce que ça ne sera que très rarement le cas. Que très rarement le cas. Bon, ici, Yoni pour la carte énergie. Carte de la femme, femme ici, en toute puissance, dans les jours qui arrivent. Ici, on va nous parler d'une femme qui s'épanouit, d'une rencontre avec une femme qui vous épanouit, que ce soit sur le plan love-love, amical, professionnel. Ici, on nous parle d'une femme qui prend le power. Ok, une femme qui prend le pouvoir, une femme battante, une femme qui se sent en pleine, en toute puissance, une femme qui prend les décisions qui s'imposent dans sa vie dans les jours qui arrivent et qui sait absolument que ce sont les bonnes. On nous parle ici de nouveau départ, on nous parle de changement. Alors, j'ai vraiment une énergie ici. D'une femme au double visage, une femme en même temps qui peut se révéler être très douce, très charmeuse et en même temps impitoyable. Une femme qui veut prendre le pouvoir et qui y parvient. Donc écoutez, sachez vous entourer de cette femme si vous la rencontrez dans les jours qui arrivent. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, et c'est toujours bien d'avoir ce type de personnes autour de nous, ça nous renforce. Et si c'est vous les filles, waouh, les jours qui arrivent sont très très prometteurs. Douceur et combativité. Bon, et bien écoutez, je vous fais de gros gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Ciao.